Il est un devoir de croire à la félicité de la tombe, car certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté cela à la connaissance des gens. Entre autres choses, la tombe s'élargira jusqu'à atteindre 70 coudées sur 70 coudées pour le croyant pieux, et pour qui Dieu veut cela parmi les croyants qui n'étaient pas pieux. La tombe s'éclairera d'une lumière semblable à celle de la lumière d'une nuit dans laquelle il y a une pleine lune, et d'autres choses encore comme de sentir l'odeur du paradis. والحمد لله رب العالمين.